simulation de guerre, donc ultra réaliste. Et pour ça, on a fait appel à un médecin de guerre. Alors moi, je suis le professeur Chen, hein, et je suis spécialiste en jeux vidéo. Et donc, tu t'appelles Carlson. Ah là, il se souvient de son nom, c'est bien ça. Ça commence bien. Allez, two players, donc on va... On va tester. Ça a l'air déjà très très réaliste, hein, tout ça. On vous prévient, ça va être très graphique, très violent. Ça a rappelé des souvenirs. Ah, ça. La guerre, c'est dur. Ça dépend pour qui. Ouais. Ce réalisme, déjà. Ah, bah, on commence bien à se cracher, quoi. Moi, je suis qui, déjà? Moi, j'ai l'air d'être le bleu. Ah, ouais? Ah, mais c'est des grenades, ça. Faut appuyer sur l'autre bouton, là. On a gaspillé des grenades. Ah, je suis le rouge, moi. Ça me rappelle Commando. Oui, je suis le rouge, oui, d'accord. Ça te rappelle pas Commando? C'est possible, c'est possible. C'est très difficile de tirer en diagonale, en fait. Mais c'est surtout que les belettes vont à 5 mètres. Ah oui, on a une portée très très courte. Hein. Comme c'est réaliste. Je crois que je suis déjà mort. Attention, ne gaspille pas tes grenades. Enfin, quoique sur le tank, là, on peut... Ah ouais, j'ai mal visé. Ça, après, hein... C'est bien visé. On n'est pas des... Et donc, la portée de ces armes est vraiment très très courte, je trouve. Hein. C'est quoi les trucs qui clignotent? C'est des lance-pierres. C'est des chars. Lance-pierre. Attends, alors, mais non, tu l'as détruit. Ah oui. Viens à côté du char, 3, 2, 1, et t'appuies sur A. 3, 2, 1, A. Bon, bah, je suis mort. Hein. Normalement, faut appuyer sur A en même temps. Voilà, c'est... Alors, est-ce que tu trouves que ça ressemble vraiment à ce que t'as expérimenté sur le champ de bataille? Carrément, ça me rappelle trop la guerre, quoi. Ah ouais, ouais, je trouve que c'est... Ah, je me suis fait tuer encore. Donc là, dans ces cas-là, quand on meurt sur le champ de bataille, il faut appuyer sur A, B, B, A. Et là, on revient. Hein, donc ça, c'est réaliste pour toi, selon... C'est du vécu, hein? Bah attends, il venait à l'infirmerie, il faisait A, B, B, A, et hop. D'accord, 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 d'accord. C'est bien, on en apprend tous les jours, là, parce que... Eh ben oui, couvre-moi avec le char, là. Mais il tire plus, mais... Ah bah, un char, ça tire pas toujours, hein, des fois, ça défile. Vas-y, hop. Allez, prends l'essence avec le char, là. Ouais, je fais comment? Ah bah, c'est trop tard. Ah, puis t'es mort, en plus. Quand il clignote comme ça, faut descendre du char, c'est qu'il va exploser. Ah, c'est une option, il faut que je vois ce que c'est. Est-ce que tu as trouvé des options sur les champs de bataille aussi? Ouais, ah, je suis encore mort. Alors, on va aller tous les deux à côté du char, on appuie sur A quand j'arrive à zéro. Mais attendez, il y a des mines. Il y a des mines, là, fait. Alors, reste à côté du char, ne rentre pas dedans. 3, 2, 1, A. 3, 2, 1, on rentre, allez, on rentre dedans. Reviens sur le char, 3, 2, 1, A. Ça a marché, là? Non. Il a fait un char, là. Il est déjà cassé. Comment je sors du char? Bah, t'as juste à crever. C'est ah un, bah peu non, technique, un peu la technique du coin. Hein, j'ai essayé les deux boutons, on peut pas sortir du char. Alors, explique-nous quelle guerre t'as fait, là, alors. Bah, j'ai fait la guerre de sécession. Ah oui, carrément. La guerre mondiale. Mais en fait, tu es immortel. Ouais, un peu comme dans le jeu. A, B, B, A. Ouais, ouais, mais personne connaissait le code là. T'imagines le nombre de personnes qui auraient survécu sur le champ de bataille s'ils avaient connu ce code ABBA. C'est très difficile de tirer en face de soi et de viser en fait. Là, c'est un lance-roquette là, faut faire gaffe. En fait, c'est plus facile de tirer en diagonale qu'en face de soi. Parce qu'en face de soi, il tire à côté. T'as vu ça, comme cette complémentarité là, faut qu'on envoie des grenades sur les mecs en haut là. Allez, petite grenade. Oh, c'était beau. Allez, 3, 2, 1, A. Ah, ça a marché. Eh oui, c'est ça les connaisseurs là. Classique. Est-ce qu'en tant que médecin, ça t'est arrivé d'écraser des personnes pour les soigner? Bah, c'est mon kiff. D'accord.
ça remet tout à plat en fait. Ça... Ah, ça coule. Oula, c'est un boss ça. Aïe. Je suis descendu du char, je sais pas comment. Ah ouais, t'as réussi, tu vois. J'ai réussi, mais il m'a pété à la gueule. Les petites grenades. Voilà, ah là, t'as vu ça, ce talent. Ah, les grenades, on en a plein en fait, on a une cinquantaine de grenades. Alors est-ce que vous prenez aussi une cinquantaine de grenades sur les champs de bataille? Enfin, moi ça par personne, hein, parce que bon... Ah, c'est vrai qu'il faut que ça pète, quoi. Une portée de tir pareille, il vaut mieux balancer des grenades tout le temps, quoi. Voilà, c'est beau, il y a tout qui clignote, on voit rien. Allez, 3, 2, 1, ah. Ah, ça a marché. Une fois sur deux, ça marche. Je sais pas trop comment. Allez, on défonce tout. Allez, on arrive dans le village. On tue les civils, on tue les chars. C'est comme ça la guerre aussi, on tue tout. Hein. Ah, on est dans la bonne guerre. Les enfants, les animaux, les chats. Merde. Bon, c'est long. C'est énorme. On voit plus mes jambes. On a... Ah merde, j'ai perdu mes jambes. Ah, j'ai marché sur une mine. Attends, parce qu'il faut que je traverse et je perds mes jambes à chaque fois que je vais dans l'ombre. C'est chaud, hein. Ouais, il y a les casques roses. Est-ce que tu as croisé des soldats habillés en rose aussi sur le champ de bataille? Nous sommes à 150 litres, il me semble. Ah, peut-être que c'est un char solaire que t'as en fait. Faut attendre que les piles, les batteries, elles se rechargent au soleil. Oula! Ouh! Alors là, on a réussi à provoquer quelque chose. Je pète la porte avec le char. On a réussi à provoquer un glitch. C'est horrible. Voilà, ça devient de plus en plus horrible. Ah, moi, je suis une espèce de tache grise. Ah, je vois à peu près où je suis. Voilà, je suis revenu à la vie. Voilà, on a tout perdu. Ah, un jour encore. Hein. On a fait tout ça pour ça? Oh là là, je suis blessé, j'ai mal. Fais ABBA, Bobby. Mais je peux pas, c'est le dernier niveau. Je suis camoufleur. Ok, alors attends-moi là. Je vais finir le niveau, Bobby. Oh, d'accord. Mais je peux pas, c'est le dernier niveau. Crève alors. Oh, c'est pas gentil, ça.